Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos Asparbales. Et aujourd'hui, on va commencer sur les chapeaux de roue, puisqu'on va s'intéresser à des tout petits. Enfin, des tout petits, oui, ils sont pas gros, mais ils vont très vite. Le Kenny, on va voir si quelqu'un va oser tuer Kenny. Tier 3, japonais, qui va très vite. Et à son bord, c'est Monsieur Tom Blanc 66 qui le conduit, qui le pilote, parce que à la vitesse où ça va, il faut un pilote pour le maîtriser. Donc, Monsieur Tom qui fonce à toute allure à travers la plaine pour aller tuer les méchants rouges, un seul drapeau sur cette map. Grunberg, c'est une bataille impromptue, je me souvenais même plus du nom de la map comme d'habitude. Balrog et les noms de map, ça fait deux. Donc Ruinberg et Kenny qui s'avance avec Tom bien sûr, ou Tom avec Kenny qui s'avance tous les deux petit à petit. Il a tenté un tir au hasard, au pif au maître. Il avance, il est prudent. Il est prudent parce qu'on sait jamais, avec ces petites boîtes de conserve là, ça peut faire très mal, très vite, vu qu'il n'y a que 240 points de vie quand même. Et comme on peut le voir, là où Kenny passe, les murs trépassent. Sur cette blague nulle sponsorisée par Balrog, nous continuons la vidéo. Donc il s'avance, il s'avance, il s'avance. Il profite du creux pour s'avancer, pour rester à l'abri des rouges. Pour que les rouges ne le spotent pas. Voilà. Il est arrivé sur le flanc des rouges. Carrément sur le cul des rouges. Et il est en train de faire le cul du PZNAC qui ne bouge pas. PZNAC qui ne bouge pas du tout. Voilà, il réussit à le finir. L'artillerie qui est juste en face, il en profite aussi, voilà, la pauvre artillerie qui ne peut rien faire. En plus, je pense qu'elle était bloquée contre le rocher vu la vitesse à laquelle elle tournait. Le pauvre artilleur qui a vu le temps de voir sa vie d'artilleur défiler devant ses yeux. Et il fait le tour par derrière, il prend par derrière, il tente, il s'arrête pas, il tente des tirs totalement improbables qui n'y arriveront jamais à la cible, mais il tente, on sait jamais. Et surtout il passe par derrière, il fait le tour intelligemment pour pas s'accumuler avec tous les verts pour essayer d'entourer les rouges et de les prendre sous différents angles. C'est comme ça que on peut leur faire très mal, parce qu'un rouge ne peut pas se défendre de toutes les directions, il ne peut se défendre que d'une direction à la fois. T18 là-bas, me semble-t-il, T18 ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, et surtout c'est pas forcément facile à pénétrer. Après, alors après avec un Kenny peut-être que oui, je ne sais pas, mais de mémoire c'est quand même assez blindé un T18. Il a fait mine de partir et il revient prudemment. Ouh, par le côté, mais T18 qui vient de chercher. Il réussit à mettre une dose si assez facilement. Ouh, T18. Et voilà, une deuxième dose dans le flanc. T18 qui s'est bloqué contre le tas de gravats. Le tas de débris. Ouh, et il le prend tous les rouges sur le côté. BT7 artillerie, voilà, qui saute. Un gros moche japonais. Donc un tir fratricide, et là-bas, qu'est-ce qu'il nous reste là-bas? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, le temps c'était un chia, c'est ça? C'était un chia apparemment. Il y a tellement de chars que, dans le jeu que je commence à avoir un peu de mal à les reconnaître hein, tous. Et tout de suite il va vers le T18 qui est en train de caper, parce qu'il faut décaper, c'est une des priorités. S'il veut gagner, tout simplement. Il s'avance, il va vers le type 91 et le Panzer 3-1 qui reste, qui sont à l'autre bout. Ils sont plus que deux, non, trois, deux BT-7 artillerie. Et Kenny, type 91, qui peut être un gros morceau, hein. C'est quand même un lourd. Mais à noter que Kenny n'a pas une écorchure. Il s'est pas fait mal depuis le début de la partie.
avec Tom à son bord, parce que j'arrête pas de dire Kenny, mais Kenny c'est le nom du char, c'est Tom qui pilote le char. Et il est passé où le type? Ah, le type 91 qui fuit devant Kenny, il a peur de Kenny. Le réticule qui foire, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est une. Parce qu'il avait activé la visée automatique. Et avec les replays, ça foire parfois. Le réticule, il reste dans le vide. Bah, là, c'était le cas. Il était resté accroché dans le vide. Ah, on ne sait quoi. C'est un des bugs connus des replays. Et le dernier char qui a été eu, le PZ-3A, qui a été eu par un des deux BT-7 artillerie. Belle partie de Tom qui nous ramène un as du char, un guerrier, parce qu'il a fait plein de kills, mine de rien. Il a fait quand même 6 kills, 661 de dommages et 752 d'expérience. Petit char, mais belle partie de Tom qui nous a fait une petite démonstration du type 98 Kenny, char japonais. Et on se retrouve pour la suite de cet épisode de Vos As Par Mal avec Quentin à bord de son louche, le char le plus mignon du jeu de World of Tanks. Le petit louche Tier 4, une bien maîtrisée qui peut faire très 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 mal. Et on va voir ce qu'il peut faire notre Quentin avec son petit louche. Déjà, il va vers le haut de la colline sur Himmelsdorf en bataille impromptue. Je cherchais le mot, c'était une bataille impromptue. Il n'y a qu'un drapeau. Je cherchais le mot exact. Je n'avais plus le mot exact en tête. Donc il se met en position en attente. Ouh, un type 95 qui s'approche. Non, type 91 qui s'approchait, et ben il a sauté assez facilement. Le T de Light ainsi que Quentin l'ont fait sauter. Le Covenanter qui a réussi à se glisser entre les mailles. Quentin qui y va, mais il est en train de recharger et il a vu qu'il y avait plein de monde derrière lui, donc du coup il se dépêche pour aller se mettre à l'abri. Le Covenanter qui recule, il a plus d'obus, il va se cacher le long du mur du château. Du mur du château, il y a plein de rouges en face. Par contre, heureusement pour lui, voilà, il fait sauter le Covenanter. Il en profite pour vider son barillet sur le PZ 2G, c'est ça, qui était juste en face et qui lui prêtait le flanc. Donc, il en a profité pour vider son barillet et pour faire une pierre deux coups. Il fait bien attention à rester dans le creux parce qu'il n'a pas beaucoup de vie sur les louches. Ils ont quand même pas énormément de vie. Ça peut partir très vite, un peu comme tous les chars de ce tiers-là. Hein, vous voyez, ça part très vite. Les kills sont très rapides. Faut vraiment éviter les tirs arrivés à ce tiers-là. Le M5 Stuart qui est là-bas, qui ne le regarde pas, il en profite pour s'avancer dans le trou. Voilà, il s'avance, il se met à l'abri derrière la carcasse. Il a fait sauter le premier M5 Stuart. Il s'avance pour faire sauter celui-ci. Il vide son barillet et il le rame. Joli, par contre, il a été obligé de prendre un tir dans l'opération. C'est bien dommage. Voilà, maintenant ils peuvent se précipiter. Ils ont nettoyé la colline. Ils peuvent se précipiter vers le bas. Par contre, un type 95, je pense que c'est le type 95 qui est en haut de la map, parce que ça doit être le seul lourd, je pense, qui reste dans la partie. Ils sont en train de caper, ils sont en train de prendre le drapeau, et le type 95 qui a été détruit. Donc il reste plus de lourds en face. Oula, ils ont trouvé plein de monde ici, c'est les artilleries. Non, c'est un char léger et une artillerie. Puisqu'il n'y a qu'une artillerie, un BT-7 artillerie, BT-7 artillerie, ça peut faire quand même mal. C'est un canon qui peut faire mal, mais il a tiré. Et Quentin s'avance pour l'achever. Nickel. Donc il nous reste quand même pas mal de monde encore, mine de rien. Ils ont l'avantage, point de vue nombre de chars, mais c'est pas gagné. L'avantage n'est pas si marqué que ça. L'artillerie qui l'attendait, l'artillerie qui tente un tir, une artillerie qui a loupé. Heureusement pour Quentin, parce qu'il lui restait plus grand-chose à échanger avec l'artillerie comme point de vie. Il recharge de nouveau. LTP tout là-bas au fond.
LTP qui est caché, qui est derrière un bâtiment, donc qui est derrière tout simplement la rambarde, c'est pour ça qu'on le voyait pas. Et Quentin qui tente, mais on voit bien que c'est trop loin et les obus qui partent à droite et à gauche de la cible. Il recharge. Décidément, Quentin, il aura passé son temps à recharger dans cette partie, mais je vous avais pas fait remarquer. Vous pouvez remarquer qu'il est déjà à 8 kills, notre ami Quentin, sur sa partie en louche. Et il fait sauter le Herzer. Nouvelle cible, donc 9 kills. Va-t-il réussir à avoir le LTTP? LTTP qui s'enfuit. Il a vu Quentin arriver et son nombre de kills impressionnant. Voilà, facile dans le cucu du LTTP. 10 kills! Kill le M2 médium qui a tenté un tir sur lui. Il s'avance et il réussit à lui mettre la rafale qui permet de le faire sauter. Donc il reste plus qu'un char 11 kills. Il reste plus qu'un char. Est-ce qu'il peut faire le 12 kills? Et il va demander à ses coéquipiers d'être gentils avec lui. Alors que les tirs du T28 qui doit être à la colline vu que les tirs lui arrivaient dessus. Le T28 qui lui tirer dessus, donc il doit être sur la colline pour pouvoir lui tirer dessus de cet endroit-là. Et Quentin qui est en train de supplier ses coéquipiers de ne pas caper pour qu'il puisse faire le 12 kills. 12 kills qui est quand même quelque chose, hein. On fait pas un 12 kills tous les jours, c'est pas donné à tout le monde, même si c'est pas un gros tiers, même dans ces petits tiers-là, c'est quand même assez rare. Bon, il y en aura bien sûr toujours qui vont arriver dans les commentaires en disant qu'ils en font, qu'ils font toujours un 12 kills avant le petit déj dès le matin en sautant du lit. Mais bon, c'est quand même assez rare. Mais malheureusement, hein, le type 95, voilà, le type 95, non, 91, a fait sauter le T28. Manque de bol. Donc, notre pauvre Quentin n'aura pas fait ses 12 kills, mais il aura quand même fait 11 kills, ce qui n'est pas donné tous les jours. On voit pas un 11 kills tous les jours. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous la montrer pour la quantité de kills, même si c'est pas le nombre de kills qui importe, mais là c'était joli. Et il va même remporter une médaille que je connaissais pas, la Neidins. Je connaissais pas cette médaille, c'est une médaille qui récompense le fait d'avoir tué tous les chars légers de l'équipe adverse. Je la connaissais pas, bon. Il y a tellement de médailles aussi sur WoT que c'est un peu comme les chars, je commence à avoir du mal à tous les connaître. À côté de ça, il a eu une contribution décisive et il a réussi à avoir un gros calibre et un Top Gun. Contribution décisive qu'il a réussi à faire. Je crois qu'il a fait un peloton, voilà, avec le Herzer en cours de partie, me semble-t-il. Je me rappelle plus. Je pense que c'est en cours de partie qu'il a créé un peloton dynamique pour pouvoir avoir une contribution décisive. Ce qui se fait apparemment pas mal ces derniers temps depuis l'apparition de cette fonctionnalité de pouvoir créer en cours de bataille un peloton. Voilà, donc il a fait 1411 de dommages, 1264 d'expérience et il nous ramène bien sûr plein de souffle. Mais très belle partie de Quentin. Et sur ce, bon, on va terminer cet épisode de vos Asparbal. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Vous pouvez toujours tenter votre chance pour tenter de passer dans vos as par balles. N'hésitez pas, là c'était des petits chars, mais n'hésitez pas à balancer du gros, hein, il n'y a pas de problème. Je prends un peu de touffe de tous les tiers. Donc sur ce, bah, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et prenez soin de vous, faites attention à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.